Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on poursuit sur notre défi de Linktober 2020. Le thème du jour c'est teeth. Teeth c'est une dent, enfin non, c'est des dents, donc plusieurs dents. Et donc on va partir tout de suite sur le petit papier pour dessiner une idée. Alors, dans, je vous avoue, celui-là, j'ai pas eu trop d'idées. J'ai envie de faire quelque chose du genre, vous voyez, un espèce de cercle où il y aurait plusieurs dents, comme ceci, avec au milieu un espèce de poulet. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je suis parti dans un délire, je vous ai dit, niveau idée, je sais pas trop, j'avais pas trop quoi faire. Une espèce de morceau de poulet. Et en fait, ce que j'avais envie de faire, c'est des dents avec, vous voyez, des petits yeux, et qui s'apprêtent à aller bouffer ce morceau de poulet qui va complètement se faire dévorer, tout simplement. Allez, c'est parti, on passe sur le carnet, et on va essayer de mettre ça en place. Alors, on a dit qu'on partait sur un cercle, donc on va dessiner déjà le cercle, tout simplement. Ici, on a notre objet central qui est un poulet, un petit manchon de poulet ici, comme ça. Voilà. Et donc là, on va faire nos sujets. Donc vous voyez, je les symbolise par des petits cubes. Hein. Toujours pareil, forme simple pour commencer. À pas chercher dans le compliqué. Voilà. Et donc là, maintenant, on va essayer de trouver la forme des molaires. Hein. Donc là, on va faire les racines. Hop. Comme ceci. Je crois que j'ai jamais dessiné de dents de ma vie. C'est ma première. Donc voilà, et encore une fois, hein, je travaille sans référence, donc c'est vraiment tout ce que je peux faire de mémoire, d'imagination, de ce que j'ai moi en tête, de ce que je me fais comme idée de ce qu'est une dent. Donc voilà, ça donne ça. Voilà, si vous voulez un aperçu de ce qui se passe dans ma tête, c'est à peu près ça. On va faire des petits yeux à ces petites dents là, histoire de donner l'air un peu méchant. Celles-ci, elles sont de dos, donc il n'y aura rien. On va en faire une pour elle, là. Voilà. Ok, eh bien, on va pas aller plus loin que ça. Maintenant, on va attaquer la couleur. Hop. On va commencer par notre petit morceau de poulet. On va lui donner un aspect un peu doré. Enfin, doré, comment dire oui, doré poulet rôti, vous voyez. Quelque chose comme ça, tout simplement. Tout petit bout de blanc ici, ça peut être sympa. Pour les dents, il va falloir partir sur marron... Ah, peut-être utiliser du blanc pour une fois. Hop, je vais prendre du blanc ici. Et je vais venir le mettre là-dessus pour avoir quelque chose de plus léger, plus crémeux, plus dans les beiges en fait, hein, tout simplement. L'inconvénient par contre du blanc, hein, je l'ai déjà dit, c'est que ça rend la couleur complètement opaque. Donc ça va complètement couvrir le dessin. Hein. Puisque le blanc, de toute façon, d'aquarelle, bien souvent, c'est de la gouache, tout simplement. Et la gouache, ça couvre beaucoup. Ah, c'est bien, ça donne même une couleur un peu, vous savez, de dents complètement carriées, en fait, bien dégueulasse. Alors, c'est peut-être pas la meilleure couleur que j'aurais pu prendre, mais bon, ça va faire l'affaire, hein, tant pis. Ok, pour nos petites dents, maintenant je vais faire le fond. Et alors moi j'imaginais un peu hein, qu'on était certainement à l'intérieur d'une bouche. Donc pour ça on va aller chercher du rose, du orange, voire même du rouge. Voilà. Ça risque de faire quelque chose de très sanglant, mais qui ira peut-être bien avec le thème justement, avec ces petites dents qui veulent bouffer leur morceau de poulet. Ah, faudra que je fasse l'os, j'étais en train d'oublier. J'ai pas fait l'os de notre petit morceau de poulet, on va pas l'oublier. Ok, alors pour le manchon de poulet, on va aller chercher cette couleur là. On va essayer de rajouter des petites touches ici de noir pour donner un peu de texture à cette peau là de poulet, un petit peu d'ombre,
Voilà. Ok, eh bien écoutez, je pense que je ne vais pas aller plus loin que ça, puisque ça me déplaît pas dans l'idée. Si, à la limite, ce que je vais faire. Allez, on va continuer un tout petit peu. On va essayer de suggérer des petites ombres ici à nos dents. Voilà. Histoire de les ancrer un peu plus dans le sol, comme ceci. Voilà. Pas besoin d'aller trop loin, encore une fois. Un petit peu d'ombre aussi sur notre poulet. Et voilà. Et bien voilà, ça sera tout du coup pour ce dessin du jour. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et puis ben moi je vous dis ciao, à la prochaine! We'll be right back.